J'avais même pas remarqué, mais l'épisode passé, j'ai passé tout l'épisode avec cette couleur-là de outfit. M'a changé ça, man. Yo, donne-moi le default, please. Yes. Yes. Salut, guys. Bienvenue à un nouvel épisode de Hat in Time. Aujourd'hui, on va aller dans Mafia Town. Pourquoi? Parce que ça me tente. Parce que why the fuck not? J'ai unlocké un nouveau Time Rift en faisant le burger de l'autre fois. En même temps, je pourrais unlocker cette mission-là qui me coûte 100 pièces. Est-ce que je fais le Time Rift? Le Time Rift, il est sur la plage. Fuck it, on va faire le Time Rift. Je vais pas faire cette mission-là exactement, mais je vais pas faire le Golden Vault, là, mais je vais faire le Time Rift. Move. Fuck it. Ok, let's go. Long time no see, Mafia Town. Littéralement, je pense que ça fait 2 épisodes que j'ai pas été dans Mafia Town. La plage. Oh, en parlant de rien, en fait, j'ai découvert une nouvelle baleine. Oh non, donne-moi là. It's too high. Je suis quasiment sûr que je suis capable d'aller la reprendre. Oh shit. Yo, je vais tout faire. Je vais tout faire pour essayer d'aller récolter cette balle de laine là. Quoi qu'il y ait une balle de laine qui est là, sinon. Comment je fais déjà? C'est-tu en. Ouais, c'en est par là. Ok, good. Je monte par là. Oh boy, Gab. Oh, ok, good. Parfait. Fait que. Je pense que là, il me manque 2 autres balles de laine avant un nouveau chapeau. Oh, ouais. 2 autres balles de laine avant le nouveau chapeau. Avant d'aller faire le Time Rift, ça me tente de collecter 2 autres balles de laine. Comme ça, au moins, je vais avoir le chapeau Père Noël. Ou le chapeau d'hiver, whatever. Puis ça va m'aider éventuellement pour que je vais faire de plus en plus d'autres missions éventuellement. Puisque comme vous avez vu dans l'épisode passé, il y a des planches comme ça qui étaient... disponible, mais j'avais pas encore le chapeau pour les utiliser, fait que c'est ça qu'on va faire. Ok, il faut juste que j'aille par là, comme ça. Sinon, il y a un chapeau au loin là-bas. Ok, il faut juste que je refasse la mission 2 ou la mission 3. Non, ça, je pense que c'est la mission 3. Ou what the fuck is this? Il y a des balles de laine partout, man! Il y a des balles de laine partout! Ok, enough! Yes! Stitch-moi un nouveau chapeau! Gotcha. Parfait! Good! Ice hat! M'a le porté tout de suite, why not? Parce que dans cette hack-là, il y a beaucoup de planches de neige, justement, que je peux utiliser. C'est quoi déjà le bouton? C'est ça! Ok, good! Got it! Alright, ok! On va faire ça comme ça! Où c'est que je m'en vais? I don't fucking know. Apparemment, je suis rendu ici. Et où la plage? Je ne m'en souviens plus. y a-tu des pelotes de laine? Ah oui, il y en a une là-bas. Facile à collecter. Et voilà. That's it. C'est quoi le nouveau chapeau? Je peux pas voir le prochain chapeau à cause que... Je pense qu'il faut que j'aille dans le monde 3 avant que je puisse savoir combien de pelotes de laine de plus que j'ai de besoin pour unlocker le nouveau chapeau, je pense. Je peux... Non. Alright. Je sais pas combien de pelotes de laine qu'il me faut pour le prochain chapeau, qui est le Dweller Hat, je pense. Qui est comme le chapeau qui permet de voir les formes de manière solide. Si je peux bien vous montrer un exemple... Il y a des blocs invisibles dans ce coin de tableau-là. Ah, exactement, ouais. Je peux-tu collecter ce chapeau-là même si j'ai pas le Dweller Hat? Ah, oh, si proche! Ces blocs-là, dans le fond, c'est parce que c'est un chapeau qui permet de révéler ces blocs-là qui vont être solides au lieu d'être transparents. C'est ça le prochain chapeau. D'ailleurs, j'ai trouvé un ticket. Je pense qu'il y en a 3. Puis c'est pour... d'ailleurs, il y en a un 2 là, ok? Il est là, le coffre-fort. Puis le troisième, il se trouve à être là-bas. Ah ben, il est juste là. Ok. Let's go, man. Alright. C'est quoi ça me donne, ça, déjà? Une pelote de laine?
Ça me dérangerait même pas, man. Une pelote de laine! Avec des collectibles. Parfait, man. Mais je suis vraiment curieux. Je suis quasiment sûr que je peux aller récolter ce chapeau-là, même si j'ai pas le Dweller Hat. J'ai essayé, man. C'est sûrement du pixel près, mais je vais quand même essayer. Juste une fois. Si je réussis pas, je l'abandonne. Non! Je pense pas que je peux. Anyway, whatever. Oh shit, j'ai pas encore le grappin, man. Fait que je peux pas utiliser ces affaires-là pour tout de suite. Ah! Mais que je vais avoir le grappin, pour vrai, ce jeu-là va aller tellement mieux parce qu'il y a beaucoup de place où que je peux utiliser mon grappin, mais le grappin, je l'unlock au troisième monde. Y a-tu quelque chose d'autre de pertinent à faire avant d'aller vers le Time Rift que je voulais tant aller? Wow, what the fuck? What the fuck? What? What the fuck, man? En tout cas, what? Es-tu encore pogné, man? Je peux même pas reculer. Je peux même pas jouer avec la caméra. What the fuck? Whatever, man. Ouais, y a des pelotes, y a des balles de laine un peu partout, mais ça, c'est-tu un... Non, je pensais que ça allait me rendre jusqu'à là-bas. Ou peut-être... Ah, je vais aller ramasser cette balle de laine-là. Why not? Puis après ça, on va aller voir le Time Rift. Ok, let's go. Oh, c'est pas une balle de laine, c'est un token. Qui me permet d'unlocker des cosmetics items. D'ailleurs, en parlant de cosmetic items, y a un chest qui est là. Man, je découvre absolument tout. J'ai trouvé une vache. J'ai trouvé une vache. Alright. All good in the neighborhood. Bon, on va aller vers le Time Rift. Je suis un peu écœuré de me promener un peu partout. Non, en fait, je suis pas écœuré. C'est juste que... Je pourrais me promener comme ça pendant encore 20 autres minutes puis trouver encore d'autres affaires, mais... Comme oh, man, what the fuck, man? Je pense littéralement... En m'en allant vers le Time Rift, je découvre des nouvelles palettes de laine puis des... Man, j'ai juste comme à me promener pendant 20 minutes aussi pis tu découvres absolument tout. Je pourrais faire... J'ai-tu le goût de le faire? On va le faire, parce que j'ai passé à côté, man. Ok, on va faire les Volcodes verts. C'est juste que je me souviens plus, il est où le coffre-fort vert? En tout cas, il me semble qu'il y a 6... Ah, il est juste là. Ouais, exactement, il y en a 6. Il y en a un qui est juste là, alright. Les trois autres sont... Il y en a deux qui est en haut là. Il y en a un... En tout cas, il y en a un qui va par là. Je pense que... Ah, ben il est juste là. Ça, je peux... Pas le bon bouton. Ça, je peux prendre mon Brewing Hat pour démolir ça. J'ai aucune idée que c'est que ça me donne. Ça me donne des currencies. Alright. Okay. Il y a un autre Volca là, ici. Et le sixième, il est où? I don't know. Fait que... Au moins, qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est que ça me dit exactement... Ben, pas exactement, là, ça me le dit comme environ sont où les tickets. Fait qu'au moins, j'ai pas à chercher extrêmement loin, comme à l'autre bout du tableau, pour me dire comme... Ah, oh, il est probablement à l'autre bout du tableau. Non, ils sont juste à côté. Qu'est-ce que ça me donne, ça? Une pelote de laine? Yes! Oh non, non, ça me donne un token pour plus de cosmetics, éventuellement, man. Let's go! Fait que là, on s'en va réellement vers le... Time Rift, en tout cas, je pense, à moins que je me fasse distraire par quelque chose d'autre, parce que ce jeu-là, il me distrait tout le temps. Il y a une pelote de laine juste là. Le Time Rift, il est juste là, mais il y a une pelote de laine au loin, fait qu'on va aller ramasser cette pelote de laine-là. Et enfin, faire le Time Rift for reals. Ok, all good. Juste à rentrer là-dedans, man. Oh shit. What the fuck? What? What? What the what? 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 What the fuck? What the fuck? Ça. What? Qu'est-ce que je peux faire avec ça, man? Ok, je peux prendre des ballons, ok. Mais what the fuck is this? Genre, la fille, elle reste sur place, comme. Parce que je peux rien faire. Fait que, dans le fond, pour me resituer, ils me remettent comme à une place safe. Ce qui est quand même bon, parce que
Ça me fait penser à un truc dans Skyrim, en fait, parce que dans Skyrim, il y a des places bizarres. Une moment donné, genre, j'escaladais une montagne, et puis, justement, quand tu sautes dans Skyrim, tu peux pas prendre le fast travel, parce qu'ils disent comme quoi que tu sautes, fait que t'es en train de tricher si jamais tu utilises le fast travel, parce que si tu utilises le fast travel en sautant, c'est sûrement parce que oh, ça tente pas de prendre le damage que tu vas prendre, mais en tout cas, whatever. Justement, j'étais comme dans une position de saut, mais j'étais juste comme pogné dans une crevasse, comme un peu que ce qui est arrivé avec AdKid là. Fait que le jeu, littéralement, ben il faut que tu reload ta dernière save file. Ça m'avait fait chier, ça. Je me souviens que ça m'avait fait chier parce que j'avais pas sauvé pendant environ une quinzaine de minutes, 30 minutes. Puis tu sais, refaire exactement tout ce que j'ai refait juste pour une cochonnerie comme ça, ça fait chier. Fait que là, j'ai dû refaire tous les trucs que j'avais fait par rapport avec mon personnage pis tout. Ça m'a fait chier parce que j'aime pas ça, man, recommencer qu'est-ce que j'ai fait juste parce que le jeu te fait chier, genre. Juste parce que le jeu t'a baisé, ben, recommence tout qu'est-ce que tu dois faire. Mais au moins, Hat in Time, c'est bien fait parce qu'il te replace. Yo, what the fuck is all this? Pourquoi il y a des trucs là-bas? À moins que... Wow, c'est weird. À moins que c'est une nouvelle transition, genre, les trucs là-bas, c'est parce que c'est... ça va être une nouvelle transition, mais que je retourne dedans... là-dedans, genre, je sais pas c'est quoi ce truc-là, là, mais whatever. Mais, alright. M'a quand même collecté tout ça. Je vais tout collecter dans le timer. Je suis pas nécessairement obligé de collecter les... Je sais pas c'est quoi, je pense que c'est des pages, mais genre le 2 sur 6 que vous voyez. Je suis pas obligé de tout collectionner les pages, mais je vais quand même le faire parce que ça rajoute quand même du lore dans le jeu. Habituellement, le lore dans les jeux vidéo, je suis pas nécessairement intéressé. Mais bon, pour un jeu comme Hat in Time, moi le faire, why not? Parce que anyway, collecter des trucs dans ce jeu-là, c'est le fun. Fait que, pourquoi pas, on va collecter des trucs, man. Ok, good. Lui, il est là. Et... il y en a un autre site. Alright. Même d'ailleurs, je suis pas non plus obligé de collecter ces trucs-là, genre les boules avec une crown. D'ailleurs, les boules avec une crown, c'est juste pour ouvrir ces portails-là. Comme... il m'en fallait 4 pour ouvrir le prochain sub-level. Lui est déjà ouvert. Ah, c'est vrai, lui est déjà ouvert parce que c'est comme... Et ouais, il vient de dire que c'est que j'ai dit littéralement. T'es pas nécessairement obligé de collecter toutes les puns qu'eux autres appellent, mais je le fais pareil. Why not? C'est ça que je voulais. y a rien d'autre, hein, je pense. Me semble que non. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les Time Rift. Ok. Bon, ouais, je vais aller directement au prochain sub-level. En parlant de collecter toutes les fucking puns, on va le faire. Wow, what the fuck? Dégage de là, man, avec ta grosse pièce de viande. Ok. Lui aussi, il en détient un. On va aller le collecter. Good. Parfait. Oh shit, l'élément à la Mario Sunshine, man. Il faut que je marche des cordes comme ça. Ça, c'est le fun. Parfait. Y'a-tu quelque chose d'autre? Me semble que non. Je me souviens la première fois que quand j'avais joué à ce jeu-là, j'essayais de trouver un moyen pour essayer d'ouvrir cette porte-là. Mais tu peux pas. Tu peux juste pas. Mais j'ai essayé comme pendant 15 ou 20 minutes à ouvrir cette porte-là parce que je pensais vraiment qu'il y avait une méthode pour ouvrir cette porte-là, mais... non, finalement, j'ai juste perdu mon temps. J'ai perdu mon temps précieux, man. Yo! Oh, what the fuck, man? What? What? You get fucked up? Mon ballon s'est même pas rendu. Ok, t'es mort. Ok, toi aussi t'es mort. Man, arrêtez de me pitcher de la fucking garbage. C'est quoi, vous me pitchez ici des pots de bar de peanuts? The fuck is this, man? Qu'est-ce que vous me... the fuck is this? Des cannes de conserve? Je pense que c'est plus des cannes de conserve, là, mais whatever.
Yo, bitch, you dead. Ouais, c'est des cannes de conserve. Ok. L'arme la plus intimidateur. Des cannes de conserve! Et le dernier. La dernière page, en fait, que j'ai besoin est en tour là. Cette page-là, j'ai cherché en tabarnak. Mais à cause que j'ai cherché en tabarnak, maintenant, je me souviens, il est où. C'est toujours les trucs les plus durs que tu te souviens le plus sur où les affaires. Et le. Sub-level, il est là. Ok, good! Je pense que j'ai fini le time riff. Ouais! Ça, c'est le fun. Ça me fait penser à Smash 4. Tu sais, quand t'as battu. C'est quoi déjà son nom? Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, dans Smash 4, quand tu finis le. Le genre de dernier boss, puis tu dois détruire la boule pour plus. Dans le fond, parce que c'est comme sa dernière forme. Mais si tu la détruis pas assez vite, la boule, elle te fait insta KO. En tout cas, dans Smash 4. Là. ça me noque. De l'histoire! De l'histoire! Ça, c'est juste du lore de plus pour comprendre un peu plus les actes auxquels que vous jouez. Fait que. Mafia Grand Voyage. Fait que. Voilà. Enfin, les mafiosos voulaient juste avoir ben du fun. Ah ouais, ils voulaient juste avoir ben du fun sur leur île tropique. Puis enfin avoir leur propre île, mais dans le fond, on fucked up avec leur île. ok, let's go! Grand Prize, là, nah, fuck off, reroll. Oh, reroll, man. Remix? Nah, reroll. Yes! That's what I'm fucking talking about, man! Ça sert à rien, mais c'est du cosmétique. On va l'équiper, why not? Ça a 3 étoiles, fait que. Moi, je suis bien content. Hey, man, c'est comme si je jouais à. Payday 2 quand j'ouvre les loot crates là. Ma place c'est beaucoup plus le fun. Hey, c'est mon nouveau chapeau que j'ai gagné qui est exactement quasiment le même que celui-là. Il y a quasiment pas de différence. Comme je vous dis guys, c'est juste purement cosmétique. Fait que, ok, let's go. Est-ce que je continue avec Mafia Town? Ok, on va continuer avec Mafia Town. Je vais faire un. Un autre tableau. Why not? Celui-là, j'ai pas le goût de le faire tout de suite. Tiens, vous savez quoi? On va faire le Golden Vault. On va le faire. For realsies, on va le faire, man. Je l'ai dragué, là, cette mission-là, un petit peu, mais... c'est l'heure de faire Golden Vault. C'est comme ramasser les 8 Red Coins dans Mario Bros, là, mais... à la place, il me semble que c'est 4... Ça me semble que c'est 4 tickets, je suis pas 100% sûr, mais ils sont un peu partout dans le level, fait que... 4 tickets, ah, ok. Où c'est qu'ils sont exactement? Y'en a un peu partout. Y'en a un qui s'en va jusqu'à là-bas. Y'en a un qui s'en va là-bas. Ok, tu sais quoi, il m'a suivi celui-là. Pour l'instant. Ok, bon, où c'est que tu s'en vas, lumière, l'énergie? Pour de vrai, j'aime le fait qu'ils ont rajouté... cette fonction-là, comme quoi que... Si tu suis la ligne, ben, il t'amène directement au tickets. Ce qui est bon. En tout cas, personnellement, j'aime ça. Hey, j'ai trouvé une balle de laine au beau milieu de nulle part. Ah, ça aussi, c'est drôle. Je pense qu'il est mort. Je suis pas 100% sûr. Hey, by the way, je peux changer de chapeau. Puis faire ça comme ça. Et voilà. En parlant de balle de laine... Ben voilà, j'ai collecté une autre balle de laine. Ça sert à rien à ce point-ci du jeu, mais c'est juste pour avoir plus de balles. Mais que je unlock un nouveau chapeau. Ah, fuck! Si, je fais de la merde. La fille, elle peut-tu se noyer? Je m'en souviens plus. What? Ok, non. Ok. Ok, je sais pas, j'ai mal vu quelque chose. Je pensais que la fille était accrochée sur quelque chose que... d'invisible, genre. Je pensais que la fille était accrochée sur rien, fait que là, je me disais, what the fuck is wrong? Mais, y'a rien qui est wrong, c'est mon cerveau qui est wrong. Je sais pas partout si je m'en vais, mais... I guess. Wow. Ok, good.
m'en retourner. Ou non, pas pantoute. En fait, je vais aller là pour avoir une autre balle de laine. Parce que why the fuck not? Bon, maintenant, on va retourner pour de vrai au vault doré. Qui se trouve à être tout en haut de ça, by the way. Oh fuck. Oh shit. No. Atkid. Atkid. You better. Atkid, do that fucking job, please. Good. Bon, où c'est que vous me pointez à cette heure? Il y en a un là-bas. Ok, good. Oh, c'est le dude qui vend des badges. Ok, ben il est juste là, le truc, là, mais. Bon, allez voir le dude qui vend des badges. Welcome, young one. Please. Ferme ta gueule. qu'est-ce. Oh, fuck off. Ça, c'est un badge de la Banjo-Kazooie. C'est genre. Tu sais, quand Banjo parle genre go, 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 puis Kazooie parle genre. Ça, c'est plus Grand Tilda, là, mais whatever. C'est à ça que ça sert ce badge-là. C'est inutile, mais. No more bunking against wall while diving. M'en le prendre. Why not? Why not? Je pense que j'ai deux slots de badge que je peux porter, mais que je porte simplement un seul badge en ce moment, fait que. Bien oui, c'est le seul que je pouvais acheter, fait que. Ok, combien de badges que j'avais. Mais c'est ça, j'avais juste. Ouais, mais ok, j'en avais trois, mais le badge d'appareil photo compte pas. C'est de la merde, ça. C'est juste pour prendre des photos de trucs inintéressants. Ok, si ma mémoire est bonne, avant de retourner voir le vault code, je pense qu'il y a un ticket qui traîne ici dans le gazon à quelque part. Me semble. Ça se peut, j'ai tort. Il y a un chest qui est justement là au loin. Ah shit. oh man. Je veux d'avoir man pour avoir ce chest là. Oh shit, ok good. Une chance que Atkid est bonne en wall jumping. Parfait. Un autre balle de laine. Je vais tellement avoir de balles de laine si je vais ruiner l'écosystème des balles de laine. Fuck man, c'est faut que j'aille. Ok, ok, je vais aller par là. Comme ça. Ah, oh, c'est assez. Ok. Je vous ai pas vraiment expliqué le badge que j'ai acheté. Dans le fond, on va l'enlever juste pour que je vous le montre. Atkid, dans le fond, si vous plongez vers le mur, elle va comme se péter à gueule. Ou vers l'arbre aussi, ça marche. Mais si vous faites ça comme ça, elle se pète la gueule. Mais si vous avez le badge, elle va comme annuler l'animation. Puis elle va comme continuer à courir vers le mur. C'est un bon badge en général. Il y a des. Personnellement, je trouve qu'il y a des badges qui sont meilleurs. Hey, il y a un truc là. En tout cas, personnellement, il y a des badges qui sont meilleurs. Mais. J'adore porter ce badge-là. Anyway. Je veux dire, surtout, un level comme Mafia Town, c'est qu'il y a comme plein de murs partout. Là. Fait que. Aussi que le wall jumping est super important. Ce badge-là, des fois, il sauve la vie. Là, il me manque un Vault Code. Il est où exactement ce fucker-là? Oui, Charles, c'est. Apparemment, il est à quelque part par là-bas. Il descend. Ok, good. Wow, man. Où c'est qui est? Il est dessus le bateau. Ok. Je pense que je l'ai vu. Je pense qu'il est sur la boîte rouge. Sinon, je peux utiliser ça. Alright. Il est qui? Apparemment, il est proche d'ici. Ah, ben, il est là. Ok, good. Ok, we are in, let's go. Là, il faut juste que je me rende au vault code doré. Me semble qu'il y a une palette de laine qui est proche, que je peux aller ramasser tout de suite, sans aucun effort, parce que pour de vrai, il est tellement facile que... What the fuck, mate? Wow. La fille était sur rien. Pendant 2 secondes, la fille, elle était sur absolument rien. Bref. Des fois, il y a des couples de petits glitches comme ça, mais... pour de vrai, des jeux faits avec Unreal... attends. C'est ça, je pense que ce jeu-là, il était fait sur Unreal Engine. J'ai comme un blanc, c'est Unity... Non, c'est pas Unity, c'est Unreal.
Mais les jeux faits sur Unreal, surtout les 3D platformers, même je pense que Yooka-Laylee aussi a été fait sur Unreal, mais des petits glitches comme ça de collision, c'est assez fréquent. Pour de vrai, c'est extrêmement dur de fixer absolument tous les glitches de collision, là, parce que faut que tu playtestes le jeu en tabarouette. Là. Mais bon, fait que le Vault, il est là, parfait, et la mission est finie. That's it, boys! Fait que... je vais arrêter ça là, en fait. Une mission à la Collectatons de Mario 64. C'est qu'il faut que tu collectes les 8 Red Coins, mais à la place, c'est collecter les 4 machins trucs pour le Vault doré. Non, vous savez quoi? Avant de finir, je vais faire quelque chose. Juste une chose. Juste parce que j'ai le chapeau de sorcière, je peux... Effectivement, je peux concocter une potion puis faire ça comme ça. Ce qui m'unlock ça. Cependant, j'ai-tu assez de tokens? Il m'en faut 3. J'en ai assez. On va gamble, baby! Let's go, roll! Nah, fuck off. Fuck off. nouvelle couleur. Brun pis mauve. Alright. Oh, qu'est-ce que ça donne? Ah ben, quoi que je l'ai déjà équip? What? Attends. Non, fuck off. Mets ton chapeau ordinaire. Maintenant, elle est rendue avec les cheveux mauves. J'ai combien de tokens? Je n'ai un seul. Ok, fait que... je ne pourrai plus jouer à la loterie. Parce que j'ai pas assez de tokens. Fuck my life! Ok guys, c'était Historieux Jutra, puis on va se retrouver à un prochain épisode de A Hat in Time. Aucun regret, man. Elle a aucun regret.